Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Offrande d'acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Je vais rendre 4 témoignages. 2 témoignages de guérison et 2 témoignages de délivrance. Je vais d'abord rendre le témoignage qui nous est parvenu de Bonucro. La sœur m'a envoyé un message. Pendant que le pasteur priait, ce jour-là, il avait cassé, si tu étais dans une bouteille, dans une prison, nos bien-aimés étaient toujours en ligne avec nous. La sœur dit, une sœur a vu en vision, c'est une âme invitée. Elle a vu en vision, pendant que le pasteur cassait la bouteille, elle a vu une bouteille qui est tombée au devant d'elle. Et la bouteille s'est explosée. Elle s'est vue sortir de la bouteille. Quand elle a réalisé cette délivrance, elle a décidé de donner sa vie à Jésus. Ce matin même, les bien-aimés l'ont baptisé à Bonucro. Après avoir fait sa repentance. Alléluia. Je reviens ici maintenant à Tiekwa. Hier, pendant que nous étions en train d'adorer le Seigneur, et vous avez entendu tout ce que le Seigneur nous a dit, une sœur s'est retrouvée à notre niveau. Sa mère ne pouvait pas supporter la présence de Dieu. Et elle voyait, pendant qu'on priait pour elle, elle a vu sa mère sortir d'elle. Et sa mère était arrêtée. Et sa mère disait, je te donne maintenant tous tes biens. Tiens ton passeport, tiens ton foyer, tiens ton mariage, tiens tout. Et elle est partie. Gloire à Dieu. Un frère, toujours pendant l'adoration, pendant que nous étions en train d'adorer le Seigneur, la présence de Dieu était tangible. Nous avons vu, nous avons touché. Le frère avait des douleurs au niveau des pieds. Il dit, il sentait que quelque chose voulait sortir pendant l'adoration. C'est comme ça, il s'est levé tout doucement. Il est arrivé à notre niveau. Quand nous avons prié, il dit un margouya, il a vu en vision un margouya sortir de ses pieds qui est parti. Amen. Hier, le Seigneur nous a bénis. Depuis le début, dans les 10 premiers jours, je vais ajouter le rapport des brisements des liens malsains, les personnes qui ont vu leurs liens malsains brisés. Les 10 premiers jours, nous avons enregistré 61 personnes qui ont vu leurs liens malsains brisés. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais donner 2 témoignages à ce niveau. Une sœur, pendant qu'on la bénissait pour achever son ministère, elle a vu le Seigneur Jésus qui est venu laver ses pieds. Amen. Et la lourdeur, la fatigue qu'elle ressentait, les douleurs au niveau des pieds, quand nous l'avons relevée pour dire « Lève-toi, marche au nom de Jésus », les douleurs ont disparu. Elle est devenue légère. Amen. Une autre sœur, avant qu'elle ne vienne en Côte d'Ivoire, elle avait eu des crises avec sa marâtre, la deuxième femme à son père. Et elle n'a pas pu se réconcilier puisqu'elle était païenne. Elle a tenté en vain de rentrer en contact avec cette marâtre qui a refusé la réconciliation. Donc, elle a continué sa marche avec Christ. Et depuis qu'elle est venue, elle a commencé à piquer des crises d'épilepsie. Et c'est cette Mara qui était à la base de ces crises. Hier, la Mara s'est manifestée. Pour dire, depuis ce jour qu'elle a eu la crise avec moi, le conflit avec moi, depuis ce jour, j'avais décidé de la détruire. Hier, cette Mara a pris
ses maladies. Elle a pris l'épilepsie. Elle est partie avec. Jésus-Christ. Deux guérisons maintenant. Un frère est arrivé à notre niveau sous la bâche. Et il avait des douleurs au niveau de son ventre. Frère, quand nous avons prié, non seulement il a vomi, et selon lui, pendant qu'il vomissait, il dit qu'il voyait les asticots en vision. C'est en vision. Il voyait les asticots sortir des salives qui tombaient. Quand il a fini de tout vomir et qu'il s'est retrouvé, les douleurs, les maux de ventre ont disparu totalement, authentiquement. Une sœur, c'est ce matin que Dieu l'a guérie des douleurs au niveau des pieds. Elle était menacée de paralysie. Et c'est sa belle-mère qui avait déjà donné une femme à son fils ou à son mari. C'est cette belle-mère qui ne voulait pas voir notre sœur dans le foyer sous prétexte qu'elle avait marié son fils spirituellement. C'est mon mari, je l'ai mis au monde. Quand je mettais mon enfant au monde, est-ce que tu étais là-bas? Frère bien-aimé, quand nous avons dit, nous dit, t'es en pièce! Elle a pris sa paralysie. Elle dit, pardon, faut pas me couper ici. Toi là, je te connais. Elle a pris sa paralysie. Elle est partie avec. Frère bien-aimé, notre joie est débordante. Et nous sommes reconnaissants à notre Dieu au niveau de l'équipe de délivrance. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. À Tiekwa, il n'a pas changé. À lui soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis la sœur Kakou Annie Catherine, disciple de l'ancien Bruce Séverin. Je suis là ce matin pour dire merci au Seigneur qui m'a délivré d'un esprit d'incarnation d'un vieillard. Gloire à Dieu. Je jeûne depuis avril et quand je suis arrivée ici, j'étais très fatiguée. Je me disais que c'était dû au jeûne. Et le dimanche, papa a prié, il a expliqué l'incarnation, que la réincarnation n'existait pas. Et quand il a expliqué ça, la parole pénétrait mon cœur comme s'il y avait un couteau dans mon cœur. Et j'étais assise. Avant ça, j'avais très mal aux pieds. Mes pieds me faisaient extrêmement mal. C'est comme si on détachait ma chair de mes os. Et je n'arrivais même plus, moi qui pouvais veiller une semaine de suite. Je ne pouvais même pas faire 2 heures de nuit. À partir de 21h, je ne peux plus tenir. J'avais sommeil, j'étais fatiguée. Gloire à Dieu. Et quand on a prié, je suis rentrée à la tente. J'ai fait 2 tours pour aller. Je pouvais venir chez l'eau à la pompe ici. Quand je suis arrivée, j'ai vu un tableau où un vieillard était en train de sortir d'une femme couchée. Le vieillard était de teint clair et la femme était couchée. Quand j'ai vu ça, j'ai tiqué. Et je commençais à supplier le Seigneur. Je ne pouvais même pas faire les tout quand on dansait ici. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur m'a délivré et le vieillard est parti. Aujourd'hui, je me sens pleinement en forme. Je peux faire tous les mouvements que je ne pouvais pas faire. Je veux rendre grâce au Seigneur qui m'a délivré de cet homme et de toutes ses douleurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Je suis la sœur Bakayoko Nzata, mon faisait de disciples, c'est le pasteur Théadé. Je veux dire merci à Jésus qui m'a guéri authentiquement hier à aujourd'hui, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a l'hernie discale qui me fatiguait. Le médecin même m'avait dit que vraiment que c'est tellement gros que à la longue, là, si je n'ai pas traité, je risque d'être paralysée, que parce que ça, c'est une maladie à vie. Et j'ai refusé ça au nom de Jésus. Depuis que nous sommes arrivés ici, chaque jour, je montre ça au Seigneur. Je dis au Seigneur de me guérir de cette maladie et d'autres maladies, même si je ne sais pas qui se trouvent dans mon corps, que le Seigneur me délivre. Et hier, quand nous sommes rentrés, quand je suis arrivée à la maison, j'ai prié comme le pasteur avait dit. J'ai prié pour mon dirigeant par rapport à son travail. Et je me suis couchée à 1h56. Et pendant mon
sommeil, je fis un songe. Où il y a un blanc, je me suis retrouvée dans une clinique. Il y a un blanc, un docteur qui est venu. Il avait porté un habit civil, mais il avait porté blouse des médecins. Et il m'a dit que c'est lui qui allait me soigner. Je lui ai dit, ah, comment? Il dit, il est venu pour me soigner. Donc, il m'a mis dans une machine. C'est-à-dire, je me suis assise, il a donné d'eau à la machine et la machine venait vers moi. Je lui ai dit, mais la machine, là, ça n'a pas chauffé mon dos, ça n'a pas me fait mal. Il dit, non, il ne faut pas te lever. Je voulais me lever. Il dit, ne te lève pas, ça n'a pas te fait mal. Il faut t'asseoir. Et il a pris une seringue, il a soulevé mon habit, il m'a piqué dans ma colonne vertébrale. Quand il a fini de me piquer, c'est comme s'il a injecté quelque chose. Je n'ai même pas senti de douleur. Et puis, il m'a dit, lève-toi, l'hernie discale est finie. C'était dans la nuit. Vraiment, je veux dire merci à Jésus qui m'a délivré de cette maladie qui me fatiguait. Que l'honneur et la gloire lui reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Coré Fabrice et je m'en faisais des disciples Cassie Benou Innocent. Frère, j'aimerais dire merci au Seigneur, lui qui m'a délivré de la captivité. Alléluia! Je peux dire que parfois, quand je rêve, je me retrouve toujours dans une maison. Et hier, après la prière d'hier, j'ai saisi le message. Quand je me suis couché, aux environs de 4 heures du matin, je me suis levé pour chercher Dieu. Et après avoir prié, je me suis endormi un peu juste pour pouvoir me réveiller à 6 heures pour le culte matinal. Et après cela, le Seigneur m'a montré en vision. Il faut dire que je me suis retrouvé au campement. Et dans le campement où je me suis retrouvé, je me suis retrouvé dans une maison. Et dans la maison, il y avait des femmes autour de moi. Là où tu es là aujourd'hui, là, qu'on va te faire sortir. Alléluia! Et j'ai vu un monsieur qui est venu casser la porte là où je me retrouvais. Alléluia! Acclamation à Jésus. Clap offering. Lorsque je suis sorti de cette maison et le monsieur me conduisait, et tout d'un coup je me suis retrouvé dans une ville, et la ville où je me suis retrouvé, frère, je n'ai jamais vu cette ville. Et quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a dit que je t'ai délivré authentiquement. J'aimerais dire merci au Seigneur de ce qu'il m'a délivré de la captivité. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me nomme la sœur Thébé Joël. Et pour faire des disciples, Anne Lobo Georges de Guéo. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré de la diarrhée, qui m'a délivré du mari de nuit. Depuis que j'étais toute petite, et quelqu'un venait coucher avec moi, il prenait n'importe quel visage. Et jusqu'à ce que je me suis mariée. Quand je me suis mariée, il venait à chaque fois. Quand je suis couchée là avec mon mari, il vient nous pousser. Il se couche au milieu. Je me lève, je dis à mon mari, on prie. Et j'arrive à dormir. À chaque fois, c'était comme ça. Et nous sommes venus ici. Hier, quand papa a prié pour le mari de nuit, j'ai dormi, il a fait un songe. Où il est venu, mais il est venu avec le visage de quelqu'un. Quand j'étais dans le monde, je partais ensemble avec lui. Et quand il est venu, il y a une dame à côté de moi qui me disait, dis-lui la vérité maintenant. J'avais peur. La femme m'a dit, dis-lui la vérité. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit, je suis mariée maintenant. Et j'ai dit le nom de mon mari dans le songe. Il s'est fâché, il a ramassé ses bagages. En même temps, à la couleur, il est parti. Maintenant, la dame m'a dit, regarde, ça, ce sont les antennes de la CMCI et de la RTVC. J'ai regardé les antennes paraboliques de plusieurs couleurs et je me suis réveillée. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré du mari de nuit. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sabine Dogo. Et mon faisceau de disciples, c'est pasteur Kwao Emmanuel. Il faut dire que dans mon village, nous avons une forêt. Et l'année passée, pendant le renversement des principautés, lorsque papa nous disait de mettre le feu dans les forêts, dans les bois, dans les marigots, de sécher les marigots, les rivières, le Seigneur est intervenu dans mon village. Alléluia! Et il y a une forêt chez nous là-bas que les gens adorent. Et les parents disent que cette forêt, nous sommes
les descendants de cette forêt. Mais le Seigneur, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais le Seigneur a envoyé un ange destructeur. Alléluia! Depuis Atieko, Atiekoa, parce que je suis de Divo. Donc un matin, ils se sont réveillés, la forêt a pris feu. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Gloire à Dieu. Je veux vraiment dire merci au Seigneur. Parce que lorsque nous prions ici, le Seigneur s'occupe, il envoie des anges destructeurs pour détruire tous ceux qui nous font du mal. Je vais lui rendre toute la gloire. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwaku Bera Aude. Je professeur le disciple, le pasteur Isidore Kwajo. Amen. Je veux dire merci à Dieu qui m'a délivré d'une boule douloureuse juste au-dessus de mon nombril. Avant la croisade, cette boule avait apparu et ça me faisait très mal. J'avais des difficultés à me coucher et à m'asseoir. Et lorsque nous sommes arrivés ici, j'ai demandé au Seigneur de me délivrer de cette boule. Et le Seigneur m'a délivré. Que son Seigneur soit béni. Amen. Je suis la sœur Diegba Marie-Denise. Je professeur de disciple, le pasteur Kofi Emmanuel. J'aimerais rendre grâce à Dieu qui m'a délivré d'un esprit de Goliath. En fait, dans ma famille, tout le monde est impulsif, tout le monde s'énerve. Et moi, même quand j'ai cru, ce caractère était encore là. Je luttais avec, mais c'était en vain. Et quand je me mettais en colère, j'étais méconnaissable. Et je criais à Dieu pour qu'il me délivre de cet esprit-là. Avant la croisade, j'ai pris un jeûne d'une semaine pour le renversement des idoles. Et cette idole-là était en tête de liste. Après, j'étais tout le temps concentrée chaque jour dans la prière à la croisade. Et hier, le pasteur Meunier, en conduisant la prière, a demandé que tout esprit en forme de Goliath, que tout esprit soit jugé. Et à ce moment-là, j'ai entendu un bruit assourdissant, un grand bruit. Et comme quelque chose, un esprit est sorti à ce niveau-là, avec une grande douleur pour partir. Et j'ai compris que le Seigneur venait de me délivrer de cet esprit de Goliath. Que l'honneur et la gloire lui reviennent au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je suis la sœur Charlène Brito. Je suis disciple de l'ancien Isidore Kwadio. Je vais être infiniment reconnaissante au Seigneur qui a exaucé l'un de mes 10 sujets de la croisade dernière. En effet, le Seigneur a sauvé 5 membres de ma famille aujourd'hui. Gloire à Jésus. Vraiment, le salut de mon fils aîné qui m'a vraiment touchée. Il avait rétrogradé. Quand il est venu avec nous, vraiment, il était réticent. Quand je lui ai dit de rentrer dans le jeu, il se cachait pour manger. Il était devenu rebelle, je ne le reconnaissais plus. Et j'ai pris son frère, on a commencé à faire la prière de Gethsemane. Et quand le pasteur a lancé l'appel, qui veut donner la vie à Jésus, j'étais sur la bâche des ministres aux enfants. Je vois quelqu'un qui vient donner la vie à Jésus. Gloire à Jésus. Et il me dit aujourd'hui que hier nuit, il a fait un songe où il était à un carrefour. Il était dans le noir, il y avait un monsieur qui était grand détail, noir, qui était avec lui. Et il est, d'où ils étaient, ils voyaient devant, il y avait de la lumière, il y avait des lampadaires, un lampadaire. Donc il était curieux, il voulait partir là-bas pour voir, il s'approchait. Quand il était proche du lampadaire, ce géant-là le ramenait à sa position. Et la troisième fois, il a dit, laisse mon bras. Quand il a dit, laisse mon bras, il a vu le lampadaire, il y avait plusieurs lampadaires qui se sont ajoutés, ils ont commencé à le tirer et il est venu à la lumière. Et aujourd'hui, lui qui ne pouvait pas gêner, depuis hier, il a commencé le gêne. Je veux dire merci à Dieu. Amen. Alléluia. Je me nomme Taou Odette. Mon fidèle de disciple s'appelle Kaku Véronique. Je suis de Nyangon à gauche. Je vais être reconnaissante à Dieu. Puisque hier, depuis le premier jour, je suis là, mais depuis hier, ma tête me faisait très mal. Et où je suis assise, je regardais passer seulement. Même s'il dit, levez-vous, on va prier, je suis assis. Je ne peux pas me lever. Tellement que ma tête me faisait mal et il y a vertige. Donc, je ne pouvais pas parler. Je suis assis là. Tout d'un coup, il a dit, Dieu, guéris-moi. Il ne faut pas déjà avoir la honte. Il a quitté ici. Il va tomber à un vertige. Il va m'amener à la maison pour dire que maman est malade. C'est ce que je disais seulement. Guéris-moi, guéris-moi. Tout d'un coup, je vois un vent. C'est comme quelqu'un derrière mon dos, en train de me souffler. Je regarde un coup, je vois personne. Et je suis assis. Et quand il a dit, quelle que soit ta forme, nous te taillons, même si tu es dans l'eau.
Il a saisi cela en même temps, mot de tête a disparu en même temps. Je me suis levé, il a commencé à danser. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu mot de tête là. Je suis parti à la maison et je me suis reposé bien. Mais voici matin la bonne santé. Gloire à Dieu. Amen. Je suis le frère Bionao Timothée. Mon fils de disciple, c'est le pasteur Miao Roger. Je vais bénir le nom du Seigneur, celui qui délivre de la prison spirituelle et de femme de nuit. Gloire à Dieu. Je vais rendre le témoignage de la prison spirituelle. L'opération s'est déroulée hier, quand le pasteur Meillet a dit d'adorer. J'ai commencé à adorer au point que l'Esprit de Dieu m'a visité. J'ai commencé à parler en langue. Et c'est là les asymptômes de la délivrance ont commencé. Gloire à Dieu. Et quand le pasteur Meillet a dit, pendant que nous étions en train de prier, que quand tu fais des songes et que tu te retrouves dans ton village ou à un lieu, chaque moment que tu te retrouves, c'est là que tu es emprisonné. Et j'ai saisi cela parce que quand je fais des songes, je me retrouve beaucoup dans mon village, je marche avec mes camarades, mes anciens camarades. Et j'ai commencé à prier. Je me suis dit que c'est là que j'ai été enfermé. Gloire à Dieu. Et pendant qu'on priait, je vois que le Seigneur me montre. J'étais enchaîné, ligoté. Et j'ai commencé à prier, à prier. Et quand les frères sont en train de tomber, comme nous étions au service, j'ai stoppé la prière. J'ai commencé à intervenir. Quand nous sommes rentrés, la nuit, j'ai prié dessus. J'ai dit que le Seigneur n'a qu'à me délivrer. La nuit, j'ai fait songe et je me retrouve à un lieu sombre, noir. Et tout à coup, je vois, en tout cas, il y a des personnes que je voyais, mais ces personnes étaient armées. Mais je n'arrive pas à identifier ces personnes. Gloire à Dieu. Et il y a un collègue du service d'accueil qui était là, CK. Et il y a un homme qui est venu l'approcher pour dire, ici là, c'est ici on exécute les personnes. Voici le chemin pour sortir de cet endroit. Quand il a montré le chemin, j'ai pris la fuite, j'ai commencé à courir. Gloire à Dieu. Et je suis sorti de ce lieu. Et voici, je suis sorti à un endroit. Et voici la lumière. Et tout à coup, je me retrouve dans une ville. Et voici les humeurs. Gloire à Dieu. J'ai compris que le Seigneur vient de me délivrer de la prison spirituelle. Que le nom et la gloire lui reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kofi Aya Kateri. Je viens de Sakassou. On le sait de Dieu, c'est maman. C'est maman Fanta. Vraiment, je suis venue. J'avais mal au ventre. Je suis malade depuis 2010. Je suis malade de ventre, j'ai un problème de ventre. Aujourd'hui, ça me fait 13 ans. Je ne dors pas. À chaque moment, j'essaye. À chaque soir, à chaque jour, mes doigts sont dans l'eau, je suis dans la toilette. Bon, on m'a indiqué que vraiment, à dire quoi, si tu arrives avec papa et mère, tout ça là, ça va finir. Je n'ai pas de transport, mais j'ai fait un effort pour que je vienne trouver le maman Fanta. Dieu merci, Dieu ait pitié de moi. Bon, j'étais là-bas, je ne dors pas. Ça fait 13 ans que je ne dors pas. Je suis arrivée ici, par la grâce de Dieu, je dors très bien. Vraiment. Acclamation, Jésus-Christ. Jesus Christ. Je bénis le nom du Seigneur, parce que Dieu a fait grâce. Je fais écho. Je fais écho deux fois. Je m'en fais, on me dit que je n'ai rien de grave. Je fais encore, on me dit que c'est au début de fibrome. Maintenant, je ne peux rien. Ordonnance. J'ai tout acheté, mais ça ne va pas. On s'en me déposer dans les cliniques. On me fait 9 piqûres par la semaine. Mais c'est là même que douleur, même ça dégrave. Jusqu'à aujourd'hui. Dieu merci, je suis arrivée à Tchékoua. Depuis, je sais, il y a mis pied à Tchékoua le premier jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais lavé. Jamais lavé, chiffon jusqu'à aujourd'hui. Donc, je remercie beaucoup à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. De la manière, je prends un morceau de paille, mais ça ne peut pas faire seconde. Aujourd'hui, j'arrive à dormir. Aujourd'hui, ma affaire de sommeil, je suis allée me laver dans la douche. On m'a cherché que depuis là, tu fais quoi? Oh, c'est à cause du sommeil, je ne me suis pas lavé. Je remercie à Dieu, je bénis le nom du Seigneur. Et je remercie beaucoup à maman Fassas, qui m'a donné la courage pour m'amener. Amen. Gloire à Dieu.
Je me nomme la sœur Oulazon Aseyou Israël. Je professeur des disciples Maman Kwaku Rosalie. J'aimerais dire merci à Dieu parce que hier, quand notre deuil taillait les démons en pièces, je me suis vue sortir dans le feu. Et c'est comme si quelqu'un, au moment où on était là à prier, j'avais chaud. Je chauffais comme ça, mais quand je me suis vue sortir dans le feu, c'était comme s'ils ont versé le glacier sur mon corps. Donc je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré, que son nom soit béni pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Seonou Adjomat et j'ai pour faisant des disciples la sœur Yesu Ama Christine. Je veux dire merci au Seigneur parce que le Seigneur a exaucé 6 sujets de prière de l'année passée. Et mon premier sujet de prière, c'était que le Seigneur permet que j'aie le BTS et le stage. Et le Seigneur a permis que j'aie effectivement le BTS et le stage. Amen. Mon deuxième sujet, c'était que le Seigneur permette que le Seigneur ramène un frère qui avait rétrogradé. Et effectivement, le frère est revenu à Christ. Donc je veux dire merci au Seigneur également pour ça. Mon troisième sujet de prière, je priais que le Seigneur permette que moi, mon père et ma mère, nous nous réconcilions. Parce que ça faisait un bon moment donné que nous ne nous entendions pas. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur a restauré cette relation. Acclamation à Jésus-Christ. Clap up to Jesus Christ. Gloire à Dieu. Mon quatrième sujet de prière, je priais que le Seigneur me guérisse de l'hémorroïde qui a duré pendant 12 ans. Gloire à Dieu. Je pouvais partir aux toilettes, par exemple, une fois ou deux fois par mois. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a délivré. Et maintenant, tous les jours, je vais aux toilettes. Donc, je veux dire merci. Acclamation à Jésus-Christ. Clap up ring. Gloire à Dieu. Je veux effectivement dire merci au Seigneur parce que le Seigneur a permis que mon disciple ait aussi le BPC. Ça faisait partie de mes 10 sujets de l'année passée. Amen. Je veux dire également aussi merci au Seigneur parce que dans ma famille, il n'y a pas de mariage ni de dot. Gloire à Dieu. Et l'année passée, ça faisait partie de mes 10 sujets de prière. Je suppliais le Seigneur qu'au moins dans la famille, qu'il y ait au moins la dot dans ma famille. Et mon cousin, qui était la dernière personne de ma liste que je pouvais penser qu'il pouvait faire la dot ou se marier, c'est lui qui a doté sa fiancée maintenant. Amen. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur a permis que je sois fiancée aussi. Donc je veux dire merci au Seigneur. Amen. Jésus exauce les prières. Jesus answers prayers. Gloire à Dieu. Je suis le frère Somien Ange Diané. Je faisais des disciples, pasteur Alfred. Je veux dire merci à Dieu de m'avoir donné 12 de moyenne pour passer en classe supérieure. Amen. La classe de 5e. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Thiessé Simone, disciple de Maman Élise de Gonzac. Je veux dire merci au Seigneur, notre Dieu qui bénit. Faut dire pendant ce renversement des principautés, j'ai dit à Dieu de me bénir avec un conjurateur de 7 casiers. Et Dieu m'a exaucé. J'étais ici avec mon mari et la personne a appelé. Le frère Thiessé, t'es où? Viens chercher le congélateur de ta femme. Et on est parti. Et le monsieur a pris le congélateur. Il a payé le transport pour aller déposer chez moi à la maison. Je n'ai pas payé 5 francs. Je me dis merci au Seigneur parce que c'est le Dieu qui a fait ça. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis la sœur Kwasi Aou, Françoise, épouse Kwala. Alléluia. Je pour faisais des disciples l'ancien Dr. Laurent de Koumassi. Gloire à Dieu. Je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur, lui qui exauce les prières et qui fait des miracles. Faut dire que quand on était mariés, mon époux et moi, on avait conclu d'attendre 1 an avant d'avoir un enfant. Alléluia. Et quand on se mariait, mon faiseur n'était pas en Côte d'Ivoire, il était au Cameroun en mission. Alléluia. Et quand il est revenu, il m'a demandé le point et je lui ai dit que nous voulons attendre 1 an pour avoir un enfant. Et il nous a dit d'arrêter, qu'il fallait avoir un enfant. Alléluia. Et on a obéi dans le but de
d'avoir un enfant. On cherchait un enfant. Et à chaque fois que je partais avec mon époux, bien-aimé, quand on va ensemble, la minute qui suit, les semences passaient. C'était du genre comme la monstrue qui passait. Alléluia. Et les gens trouvaient que c'était léger, que non, c'était maladie. On cherchait des médicaments. On s'était attaqué. Après le renversement du principauté, le Seigneur a montré cela à mon époux. Il lui a montré dans un songe, il a vu un groupe de personnes qui étaient là. Et Dieu lui disait comme ça que c'est les personnes qui ne voulaient pas que vous ayez d'enfants. Et mon époux a vu le feu quitter du ciel. Le feu est tombé au milieu d'eux. Et ça les a dispersés. Alléluia. Et après ça, il y a eu un jeûne complet. Je suis rentrée dans le jeûne complet. Bah, chaque année, il faut dire qu'avant de faire le jeûne 40 jours complets, mon faiseur m'appelait. Je faisais test de grossesse pour voir, pour ne pas faire passer la grossesse. Et j'ai fait comme d'habitude test de grossesse. C'était négatif. Et je suis rentrée dans le jeûne complet. Et dans le jeûne complet, le Seigneur a opéré le miracle. Alléluia. Et il a permis que je tombe enceinte. Je ne savais pas, j'ai fait tout le jeûne de 40 jours complets. Et la grossesse n'est pas tombée. Acclamation. Clap offering. Et la grossesse est restée. Et après, quand j'ai fini le 40 jours complet, j'ai remarqué que je n'ai pas vu mes menstrues. J'ai dû faire test de grossesse et ça sort positif. Alléluia. Et je suis partie faire écho. On dit tout va bien, que l'enfant n'a rien. Je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur qui délivre et qui exauce les prières. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Badiagra Sephora, disciple du frère Tanguy Kouassi. J'aimerais dire merci au Seigneur, celui-là même qui m'a délivré de l'esprit de Marie de nuit et qui m'a guéri. Faut dire que quand j'ai donné ma vie réellement au Seigneur, j'ai abandonné tout péché et tout compagnon du péché, sauf à un seul. Et quand je suis arrivée à la croisade, au troisième jour, il y a l'esprit qui me dit, renonce à ce dernier et avant la fin de la croisade, tu seras exaucé. J'ai désobéi. Je priais seulement et je rentrais à la maison. Au neuvième jour, quand papa Meunier disait, renoncer et obéissez à la voix de Dieu, j'ai été animée d'un zèle de vaillante, d'une force. J'ai pris mon téléphone et j'ai renoncé à ce dernier. Je lui ai envoyé un message. Et de ce que j'ai obéi, je vous assure que ce même jour, j'ai reçu ma délivrance. Je suis tombée et l'équipe de délivrance a prié pour moi. Pendant que l'équipe de délivrance priait, j'ai vu comme un vieillard qui s'éloignait de moi, qui s'éloignait. Et à quelques mètres de moi, il me regardait avec mépris, haine. Et les frères ont jugé, ils ont envoyé le feu. Et le feu a surgi et l'a embrasé. J'aimerais dire merci. Pendant que l'équipe de délivrance priait, j'ai été aussi guérie de l'ulcère gastrique et d'une douleur atroce à mon côté gauche. J'aimerais être infiniment reconnaissante à ce Dieu-là qui m'a guérie et qui m'a délivrée de l'esprit de nuit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.